Ah, chaleur. Bonjour à tous, il fait chaud. Et salut. Salut. Bienvenue dans Cuisine Impro. On n'a pas de jingle. Bienvenue chez moi aussi. Bienvenue chez Valouze. Ah, et la nouvelle star maintenant. Chez Mustang. C'est Mustang. Chez Carlito. Juste, on va voir si tout fonctionne. Dites-nous sur le chat si le son ça fonctionne, etc. Histoire qu'on puisse se lancer. On vous a préparé des très belles recettes. Ça prépare un bon truc de ouf. Ce qu'il faut savoir aussi, on va le préciser. On n'a pas la recette. On n'a pas la recette. Et c'est qu'en gros, j'ai ma cour. Il y a le soleil qui tape dessus. Il fait 30 degrés chez One. C'est chaud. Est-ce que c'est bon du coup? Il y a un écho. Ah, peut-être ta double cam, non? Un chien, on entend en double. Ah, allège. Attends, je vais regarder. On avait fait des tests avant. Lesquels? C'est bon. C'est bon? Je pense. Ah si, j'ai un écho. Ah bah attends, merde. Mais oui, mais t'es bête. T'es un régisseur, un meilleur régisseur de France. Pardon, il avait oublié que t'as le son du... On avait live à côté. Ouais, il faut savoir que là, dans chez toi, il fait au moins 45 degrés. Là, il fait 45, très chaud. Degrés. Et une fois qu'on aura allumé les plaques, mon gars... Team Gros. Non, je suis Team Gros. Ouais. Okay, en plus, j'avais mon sac tout à l'heure. Je suis pas encore Team Gros, du coup. Du coup, Cuisine Impro, toi, tu l'as déjà fait, mais... Ça fait longtemps. T'étais en week-end le vendredi, en plus. Ouais, bah maintenant, j'ai récupéré mon vendredi de travail. Voilà, du coup, maintenant, on refait. Et du coup, ouais, tu m'as dit, la semaine dernière, t'étais allé chez tes épouses. C'est ça. Et j'ai trouvé ça sympa, et vu que j'habite à côté et que j'ai le setup pour, tu m'as proposé, je t'ai proposé aussi en même temps, et voilà, ça va se faire. J'ai préparé des bonnes recettes. Tu nous as fait un thème spécial, explique. Le thème? Bah, en fait, thème spécial, non, il n'y a pas de thème spécial. Tu m'as dit que c'était un thème, mais au final, tu m'as montré dans ça que j'ai fait. Il y en a une, ok, les autres, je sais pas. Je vais vous montrer ça. Alors, ici. Vous allez voir au fond. Est-ce que je montre bien? Ouais, ça va. Peut-être lever la cam un tout petit peu, voilà. Ici, ça va être le coin butterbeer. On va faire une butterbeer comme dans Harry Potter, les bières au beurre. C'est pas une bière, ça, hein. Vous inquiétez pas, c'est une bière sans alcool. Voilà. Ici, on va faire. Ça, c'est celle qui va être le plus what the fuck. Des chaussons à la viande. Alors, j'en ai jamais fait à Mourinho. Moi non plus. Après, moi, j'ai l'expérience de désarmer la semaine dernière. Voilà. On a fait des petits croissants. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi des chaussons à la viande? Parce qu'à la base, je voulais faire justement un thème Harry Potter. Vu que je voulais faire absolument une butterbeer. Et j'ai tapé recette Harry Potter et ils m'ont proposé des chaussons à la viande. Du coup, j'ai fait ok. Bah, sauf que j'ai pas lu la recette, j'ai juste écrit les ingrédients et j'ai plus le lien de la recette. Et ici, ça va être un atelier. Ça, c'est un atelier easy. Ouais, ça c'est easy. C'est un noob en fait. Si on se foire, on va aller sur ça. Et ça va être croque-monsieur et pain perdu pour le dessert. On va voir. Ça va. On va voir comment ça va se passer. Ça va aller, tu vois. Et aussi, il faudra faire une petite recette pour Mustang. Parce que voilà, c'est l'heure de manger aussi pour toi, un petit loulou. Je sais pas ce qu'on peut lui faire à manger en même temps. Bon, ça va être des croquettes, non? Ouais, ça va être des croquettes, ouais. À son âge, c'est que des croquettes. Oh là. J'ai failli de marcher dessus. Ok, on commence par le on commence par le truc du fort. Comme ça, on fait chauffer. Mais on, okay. Pas, on a rien. Non. On peut commencer par la butterbeer, Amaury. Butterbeer. Ouais. Ok. Donc, tiens, tu ramènes ça là. Garde ça là. Je ramène tout ici. Ramène tout ici. Hop. Bon, pour l'instant, je vais faire une poisson produit. Mustang. Ouais, ouais. Regardez moi ce chien de trop mignon. Hop, on va mettre ça là. Attention, il est trop partout. Alors la butterbeer, comment elle se constitue? Toi, la butterbeer, t'en as déjà... Moi, j'ai déjà vu les vrais. Ouais. J'ai déjà vu les vrais à Londres. Ah bon, ouais. Ouais, c'est un pied de merde, hein, ouais, Boris, désolé. Ouais, et en plus, pour le peu qui tire dessus... C'est... Ouais, j'ai bu celle de Londres. Ok. En vrai, c'est pas ouf. Ouais. Mais juste pour le kiff. Sympa, tu m'as vu, genre c'est pas ouf. Mais okay. C'est pas la même recette. C'est une recette que j'ai prise sur Fast Good Cuisine. Ouais, d'accord. Et où il y en avait fait une et ça m'avait l'air plutôt sympa. Donc apparemment il faut faire revenir le sucre brun dans une casserole. Brun. Il faut mettre la crème entière, du beurre, et je sais pas les quantités. Oh. Je connais pas les quantités parce non, que je t'ai dit. C'est pas très très grave. Tu sais pas les quantités du coup. Ouais, je sais pas les quantités. Du coup. Imaginons, normalement tu mets toute la bière dedans. Je sais pas. Le panaché, je dirais. Bah, ça me fait penser un petit peu à une recette, la recette de Saint-Jacques. Ça, tu m'avais fait. T'as le vrai verre, toi. Mec, tu te souviens, la recette de Saint-Jacques, on savait pas les quantités aussi. Ah ouais, ouais, mais c'est un peu le principe de Cuisine Impro. Regardez, il a la vraie, hein. Butterbeer. Ouais. Classe. Ouais, il est stylé. Par contre, 10 euros, quoi. Hein. Sérieux? Ah oui, c'est de la merde. Hein. Allez, pour un verre en plastique, en plus. Hein. Ça va, comment bon. S'appelle la meuf qui a fait ça? Chez Caroling, ça fait plaisir sur les petits goodies. 10 balles, c'est en plastique en plus. Mec, les baguettes magiques, c'est un bout de bois.
Dis un prix. Je sais que j'en ai vu à 100 balles. Non. Ouais, il y en a vraiment, genre les collections et tout, ils peuvent grimper jusqu'à 500, mais la commerciale qui se vend, 30 pounds. Oh, ça fait genre 50 euros, peut-être. Attends, j'ai l'impression qu'il débranche des filles. Vas-y, Tom. On a le chien qui est en train d'attaquer. Putain, 30 balles, ouais, 30 balles, donc ouais, ça fait 30 pounds. 30 pounds. Ça fait 50 balles à l'époque, quoi. 40 euros. T'as un bout de bois, en fait. T'as un bout de bois. Je les branche en bois. Bah après, ils sont stylés, hein. Tu peux avoir celles de tout. Même celles des personnages qui sont random dans le film. Ah, t'as vraiment les reconstitutions de t'as chaque... toutes les baguettes. Ah, ouais. Mec, il y a un moment, il y a une salle, les murs, c'est rempli de boîtes à baguettes. Putain, ça va être trop stylé, ouais. C'est vraiment stylé. Du coup, je t'invite. On va faire revenir le sucre roux. On va ramener ça là-bas. Attention. J'espère que ça va pas foirer. Attends, je vais juste changer de scène du coup pour mettre la webcam en gros plan, Maury. Hop, voilà, parce que voilà, on avait tout prévu. C'est dans le cadre de ce que ça donne. Alors, j'espère que ça va pas faire comme les coquilles Saint-Jacques. Ouais. Où on était à la mode random pour les doses. On fait quoi? On fait un seul verre? Au pire, attends, regarde le chat, ça tombe, il y a des gens. Les gars, si vous connaissez, c'est sur Vase Bout de Cuisine, on n'a pas le temps d'aller voir. Si vous connaissez exactement la recette, les ingrédients précis. Ouais, à la limite. Vase Bout de Cuisine, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une chaîne. Enfin, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube de cuisine. De... Rapide à faire, ouais, simple voilà. et fucking bon. En fait, ça a l'air bon. Ouais, franchement, je le tombe toujours. Et que j'habite ici, je sais pas où sont mes verres. Alors, on va essayer de regarder. Je vais essayer de regarder. Recette. C'est recette bière à la beurre, bière au beurre. Bière au beurre. Du coup, c'est chaud? Non, c'est pas. Ah, Bah, si tu fais cuire le truc. ça va être dégueulasse, c'est vrai, si c'est chaud, c'est chelou. Ah, ça va être dégueulasse. Attends, j'en ai une autre recette, la basique. Ah, mais non, parce que c'est pas les mêmes ingrédients. En fait, il y a tout le monde qui ont leur propre recette. Et du coup, c'est un petit peu. Ok. On va essayer de regarder. Bah, je sais pas, on va improviser, ça me saoule. Mec, c'est quoi? On dose et. Je vais mettre dans le verre et je vais voir environ ce que ça donne. Faire une estimation. Imagine, t'as. Ça va fondre en plus. Ouais, ça va fondre, ça va faire une sorte de caramel. Et après, t'as chantilly par-dessus, c'est ça? Non, tu mets ça. Après, il y a de la crème liquide. Et après, tu mets la bière et la chantilly, c'est pour décorer. Ah ouais, quand tu sers, tu fais comme ça? Et du coup, ça te fait un. Oh là là, ça a l'air dégueulasse. Ah, ça va être dégueu de ouf. Mais en fais-moi confiance. Vous avez déjà testé chez vous la. Comment s'appelle la bière? La bière au beurre en fait. C'est... Je connaissais pas du tout, mais j'avais jamais fait gaffe à ça. C'est toi qui m'avais parlé quand t'étais allé à Londres. Au truc. tu me parles. On est fou de bouillir. On est trempé. On va finir, mais genre. Je sais que t'étais allé à Londres justement, tu m'as dit, putain, je pourrais goûter la bière à la beurre. Et pour moi. La bière au beurre. Et pour la bière au beurre, c'est pas du tout Harry Potter en fait. Ça fait pas penser à Harry Potter. Il faut mettre 20 centilitres d'eau. De toute façon, ça va être ça. Ça me rappelle. Ah oui, voilà. Hop. Regardez le chef. Tu veux que je prépare un truc d'après ou quoi? À la limite, tu peux. Il y a le four aussi. Il y a les trucs au four. Il y a les feuilletés. Ce que tu peux faire. Peut-être mettre déjà à faire chauffer le four, hein. Ouais, à la limite. Ce que tu peux faire, c'est dérouler un peu de feuilleté, prendre un verre et faire des petits ronds. Ok, je mets combien? Non, je peux pas. Mais en préchauffage. Ouais, comme ça. Il soit un peu chaud, tu vois. Ok. Donc, je prends des pas de feuilleté. Par contre, c'est juste le champ que j'ai pas de retour ici parce que je sais pas où est-ce que je mets la cam à chaque fois. Donc, je fais chauffer, les amis. J'ai peut-être mis trop d'eau. Ça nous met là-bas, hein. Je sais pas si les gens vont voir. Donc là, du coup, tu voulais faire quoi avec les pas de feuilleté? Des chaussons à la viande. Chaussons à la viande, donc tu fais des ronds. Faut faire cuire la viande aussi d'ailleurs. Ouais, tu fais des ronds. Ouais, faut faire cuire la viande. Mais on va jamais finir. Ah, bah attends, tu m'as dit. On va finir à 18h. Tu connais, moi je suis un bon vivant. Hein, moi j'avais envie de manger avec plein de choses. Donc t'as une seule pâte par contre. Et en plus, c'est la boîte qui paye la nourriture. Du coup, je me suis dit, bon, si je peux remplir mon frigo. C'est ça quand t'as acheté beaucoup. En fait, tu fais que ça avec ce qu'on a acheté là. Tu vois, donc assez, vous voyez. Mais pourquoi t'as pris deux plats préparés, Val? C'est bizarre, c'est rempli. Mais toutes les bières que t'as prises, c'était pas pour. Mec, t'as même pas de bière chez toi? J'ai tellement rien dans mon frigo. Oh là là là. J'ai le pire frigo ever. Oh, apparemment, il y en a un qui mange beaucoup de. Ça, c'est Adrien Ville. Ça. Blanc de poulet. Putain, ouais, stop de blanc de poulet. Il est où, Mustang? Qu'est-ce que tu branles, Mustang? Bon alors. Eh, PD. Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, t'es le seul, je crois, des seuls à avoir une terrasse. Je pense à ça. Bah non, c'est pousse. Ah mais une terrasse, un balcon, excuse-moi. C'est fou, c'est la grande terrasse. C'est pas un balcon terrasse là, c'est un appartement en plus.
Par contre, elle a... il fait tellement chaud qu'elle se décroche. Tout ça. Mais sinon, si on fait un gros chausson, bon, ça va pas. Et bah, ça va faire une tourte. Ouais, mais c'est trop bon, mec. Après, on la coupe en deux, on mange. Vas-y, enfin, viens, on fait ça. Tu veux le faire. En fait, voilà, on a le truc complet. On va te faire plusieurs ronds. Attends, on a la cam dans. Ouais, je suis con, j'ai la cam. Attends, mais ouais, on a la cam. On est en train de prendre nos cul. Au lieu de faire plusieurs ronds, bah on va tout mettre dedans, on va refermer. On ferme comme une sorte de grosse raviole. Ouais, je pense que ça va, non? Ouais, mec, ça me donne trop faim. J'espère que ça cuit pas trop longtemps. Bon, mais, on verra. Je sais pas, c'est quoi la cuisson? Je sais rien, moi. Attends, Xavier, la dernière fois, il a fait ce truc, il a mis un quart d'heure. Vas-y, on va mettre un quart d'heure. Okay. Ah, mais après, c'est... attends. Après, s'il est ultra gros aussi, peut-être un peu plus longtemps. Mec, on verra. Mec, mets le chat en grand, je suis sûr, il y a des cuisiniers. Ouais, s'il vous plaît, aidez-nous. Non, il y a des cuisiniers sur le prendre. Vous avez vu le setup, les gars? J'ai setup tout ça dans mon sac. Mec, il fait chaud de ouf chez toi. Bah, en même temps, il y a cette lampe aussi qui chauffe. Et. On va se mettre le chat. Et après, ouais, voilà, il y a ma petite cour là-bas. On fait une petite visite d'appartement. Vous voulez faire une visite d'appartement? On fait une petite visite. Ouais, c'est un peu le bordel aussi. Hein. Le temps que ça cuit. Bon, là, c'est les jouets de Mustang. Mec, c'est en train de cramer aussi. C'est en train de cramer. Ça cuit vite, quoi. Oh, ouais. Attends, bah tiens, prends ça. Un truc, mon cuillère. Mec, ouais, il faut le. Je pense qu'il fallait pas mettre le méga fort. Tu crois? Je pense qu'il fallait mettre genre doucement. Mec, ça va être terrible. À chaque fois qu'on se retrouve ensemble, à Maury. Ça part en plus, en fait. Je crois qu'il fallait mettre plus de sucre en vrai. Bah, remets-en, hein. Et c'est pas la dent qu'il a du lait? Mec, ça va être dégueulasse, son truc, hein. Je vais me cramer le doigt, mec. Ça va être archi dégueu. Non, c'est bon, tu vois. Mais ça, c'est. Bon, t'as mangé chaud. Mais non, on va attendre que ça refroidisse un peu. Ah, pardon, c'est pas hop. On va mettre la crème liquide à l'eau, Amoury. On s'en fout, la tune d'impro, regardez, il y a un chien. Mais putain. On va même faire. Tu cherches pas là? La crème liquide? C'est stock là. Du coup, pour mes tartelettes, je fais quoi là? Enfin, on fait une grosse tourte au final. Ouais, on fait une grosse tourte. Ok, grosse tourte. Faut une casserole. Une poêle. Une poêle, c'est là-dessous. Une poêle. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être mélangé. Ça va faire du caramel. Ouais, c'est ça, c'est du caramel en fait. Ah, le beurre plus sucre de casse, c'est du caramel. Ah, ok. Oui. Merde, la viande. Frigo. Oh, mec, faut que j'allume la haute, là, il fait méga chaud. Hein. Ah, mec, on va se trouver chaud. Mais j'ai peur. Dites sur le chat si. Oula, qu'est-ce que ça fait là? Mec, ça mousse comme jamais. Wow. Ça sent bon, par contre. Du coup, dans le chausson, on fait genre steak, des champignons. Ouais, on fait revenir les steaks. Champignons, tu les as bien fait comme ça, Les champignons, c'est le dernier moment de toute façon. Ah ouais? Ouais, tu fais d'abord cuire les steaks, ensuite. Dis-moi. Tu mets un cubeur. Ouais. Dedans, pendant que je fais le steak. Ouais, tu mets. Mais tu fais d'abord cuire le steak, genre 2 minutes, tu mets le cubeur. Ok. Ensuite, tu mets le concentré de tomate, je pense. Est-ce que t'as encore le beurre là? Tu l'as rangé? Et je pense que c'est bon là au niveau de la beurre bien. Est-ce que tu aurais du sel et du poivre? Ah ouais. On va laisser refroidir. Au niveau de la beurre bien, on est bien. Je vais mettre ça au fond du verre et je vais mettre ça au frigo, je pense. Tu sais, je vais pas servir tout de suite parce que si c'est de la bière chaude. Tu veux verser dedans et ouais. On fera après? On va mettre une bonne dose. Bon, au final, ça va. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bah, voilà. Ça va être méga sucré en fait. Ouais, bah c'est le but en fait. Hein. Je pense que c'est le chauffe-froid qui me fait peur en fait. Mais non, je vais mettre au frigo là. Je sais pas s'ils ont changé le. Deux cuillères à soupe d'eau apparemment. C'était. J'ai mis de l'eau. Du coup. On a mis un peu plus. Je vais mettre au frigo. Ok, moi je vais faire le steak là. Est-ce que t'as une spatule? Une spatule, oui, c'est là. T'as pas un truc en gros? On va ça. Ouais, c'est du plastique en verre, ouais. C'est de la merde, hein, le truc. Le plastique. Là. Ah, oui, le truc avec le terre, mec. Ouais, c'est du plastique en verre. 10 balles, c'est ça? Ouais, 10 balles. C'est quoi au magasin, j'imagine? Bah, je sais pas, je peux peut-être l'envoyer sur internet, hein, mais. C'est tout, hein.
Donc voilà, quand on fait la cuisine, on nettoie direct, comme ça on est tranquille. Ah bah je laisse faire. Là ça fait pas trop de bruit pour vous. En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand je vais chez les gens, bah, c'est la deuxième fois, mais au moins on a des plaques et un four. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Au bureau, c'était marrant petit impro, mais on restait vite limité. Là, au moins, on peut faire cuire bah, du steak, des choses comme ça et tout. En même temps, une émission de cuisine sans femme. Attends, mais t'as pas mis de d'huile d'olive ? Ah non, mais. Mais si ! Vas-y, vas-y. Si, filet d'huile d'olive, mec ! C'est des bons liquides. T'as les stats ? Ouais. T'as les bonnes stats ou pas ? Ouais, ça va. T'as tenu un peu fort, par contre. Ah oui, c'est vrai. T'es pas avec un blanc en fait, je pensais pas. Oui, putain. Ouais, j'ai mis un peu de froid. Tu rigoles zéro à mourir. Ça c'est bon. Faut les champignons, mais faut que je les coupe. Ouais, faut que tu les coupes à mourir. C'était quoi? T'es dans la main sans dire? Attends, c'est quoi ce. Vous avez entendu le bip? Vous avez entendu le bip ou pas? On va entendre une grosse alarme incendie dans deux secondes, on va dire... Bizarre, c'était pas ça? Je sais pas. Merde, j'ai fait un bordel, mec. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, t'as rien à foutre le feu, mec. Mec, j'ai fait un bordel. Et pose la caméra. Ouais, c'est vrai. Tu es en train de cramer, tu sais, genre. C'est moi, je regarde. Les gars, j'ai peur. Ah, c'est le four! Merci, merci. Mais c'est le four qui a dupé. T'as pas dupé? Bah, c'est pas chaud. Combien ? Couvert. Couvert, c'est là, Maury. Dis-moi, dis-moi. C'est ici. Au Mustang, tu m'aides ? Je suis sûr que Mustang, il veut manger de la viande. Morfa, tu sais. Là, il veut plus t'arracher la caméra, en fait, mais... Ah, qui suffit, gros pédé ! La petite cuisson. Moi, j'attends un petit peu, hein, ça cuit tranquillement. Et moi, je vais décortiquer les champignons. Enfin, décortiquer. Désolé. Et ça vient, Marie ? Ouais, écoute, je sais que tu peux le faire au couteau noir, moi je fais souvent la main. Mais what the fuck, tu fais comment ? Quoi ? Et pourquoi t'enlèves tout l'intérieur ? J'enlève l'intérieur. Bah attends, mais tu te... Quoi ? Attends, je vais relaver les mains parce que j'ai planté. Quoi ? Ah, je fais ça ? Mustang ! Mustang, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prends le couille ? Ouais, il a trouvé un nouveau jouet là en fait. Allez là, avance petit cul. Mais tu fais un bordel. Amaury, tu coupes comme ça, attends, je vais te sortir une plaque. Ah, tu veux les couper directement? Bah oui. Ah, mais en gros, je retire la... Enfin, j'appelle pas ça, c'est pas de la peau, mais je retire ce qu'il y a... Mais t'as pas besoin, hein, regarde. Voilà. Hop. Putain, le chien est en train de tout défoncer, t'es... Hop. Éteins ton crâne, là. Hop, tu coupes comme ça. Ça, tu t'en as pas besoin. Ok, moi je me fais chier, et après, tu coupes comme ça, en fait. T'en tires jamais le truc dessus, toi ? Non, après ça cuit, c'est bon, non ? Tu m'étonnes que t'es malade, souvent malade, toi. Mais que... Voilà. Ouais. Tiens, je te laisse faire. Je te laisse faire, moi je vais continuer là-bas. Je te laisse faire, moi je vais... Bon, vas-y. Non, vas-y, là-bas il fait chaud, je vais faire ici. Faire ta technique, hein. Vas-y. Ok. Comme ça ? Tiens, et si tu veux même, encore mieux, il y a une poubelle juste là. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vais mettre ça là-dedans, ou ça, je vais faire tuer après. Ah oui, bah oui. Bon, ça a fait là. Vas-y, Amaury. C'est ça, moi. Si ça, tu veux, j'ai un bon couteau, attends. Ah ouais, t'as un couteau. Ouais, mais je vais même couper les doigts. Mec ! Tu veux couper quelque chose, mon ami ? Hop ! C'est un champignon. C'est ça que ça a l'air bien. Putain, on voit le pro, en fait. Hein. Vas-y, je les sors. Et... Allez, on enchaîne. Vous vous rendez peut-être compte sur nos gueules, mais je pense qu'il fait bien 42. Ouais. Non, là, il doit faire 30 plus. Pas plus, mais dehors, il fait 32. Donc, Ah ouais ? Ouais. Donc, je peux te dire qu'avec le four... Mais attends, il en faut pas trop les champignons. Hein. C'est trop bon. Ah ouais. Mais ça se fait un peu. Au pire, on en coupe comme ça, là. Tu sais, le champignon, quand ça cuit, ça devient tout petit aussi. Ouais, c'est vrai. Oh, Top Chef, quoi. C'est le couteau de Top Chef, non? Ah oui. Waouh. Wow. Moi, je suis fan. Ah, mais je savais pas que j'étais... Je sais pas, j'étais un pro, quoi. En vrai, en temps normal, je cuisine bien, mais là, c'est cuisine impro. Putain... Du coup, moi, j'ai trouvé des recettes, j'ai trouvé genre, des ingrédients. Tu fais genre de faire n'importe quoi. Mais en fait, t'es un bon cuistot, en fait, à la base. J'adore faire la cuisine, en vrai. Bah, j'ai une famille de cuisiniers. Ah
marche, okay. Après, tu tapes... mon nom de famille, c'est Rollinger, ouais. R-O-E-2-L-I-N-G-E-R. Tapez Olivier Rollinger, vous verrez. Les épices Rollinger, tu connais pas? Ça me dit quelque chose. Pas du tout. Non, j'en sais rien. Hop, ok. Ça. Du coup, on va mettre quoi? On va mettre la viande au milieu, mettre tout dedans, mélanger, c'est ça? Ouais, je pense. On va mélanger la viande avec ça directement, on le met dedans. Mélanger la viande avec quoi? Bah, les champignons. Si, mais après, les champignons, le truc, c'est que ça cuit super vite, du coup. Ok, ok. Bon, bah, du coup, j'ai rien à faire encore une fois. Tu l'as mis au frais, ce que tu veux dire? Ouais, j'ai mis au frais. Amaury, il fait délirer. Et Amaury? Je crois que ça va. Après, on n'a pas besoin de. D'aller au travail tout de suite, on peut manger. Oui, on peut manger. Voilà. Il y a quoi après? Ça, ça, ça. Bon, ça va pas être ça. Après, c'est monsieur, ça va. Je vais mettre un peu d'eau. T'aurais dû les mettre avant, oui. Ouais, j'ai oublié. Alors, attends. Parce que je crois qu'il faut les hydrater. Bah, normalement, je sais que tu mets ça dans l'eau, en fait. Toi, tu fais ça dans l'eau avec des pâtes. Oui, ça, mais t'inquiète, là, il va fondre et ça va faire un putain de goût. Ça va faire une sorte de bouillon. Ok, ok, je te fais confiance. Alors. Ok. On est pour combien, là? Non, c'est pas mon père, Olivier. Alors, on est pour combien, en tout? Alors, on en a eu pour 26 ouais, euros. Une petite estimation. 26 euros, mais. Après, Paris. En même temps, c'est Paris, quoi, déjà. Parce qu'en temps normal, dans un. Dans un Carrefour classique ou quoi, on en aurait eu pour 15 euros, je crois. Ouais. Et non, les gars, c'est pas mon père, Olivier. Hein. C'est le frère de mon père. Ah ouais? Ouais. Mon oncle. Il est méga connu? Un petit peu, ouais. C'est... Il fait quoi? Bah, c'était l'un des premiers cuistots étoilés de France. D'accord, ok, putain, nice. Ah ouais, du coup, tu dois avoir une bonne. Tu fais des bonnes bouffes à Noël et tout, quoi. Bah, en fait, je l'ai quasi jamais vu de ma vie parce que. Ah ouais il habite à Brest. Ah, et ouais. Nous on est du Nord, ouais. Et du coup... T'imagines le repas de Noël, il arrive avec... Bon, ouais, mec, pour te dire, là il n'y a plus le resto, il a revendu, tu vois. Mais avant, quand il y avait son resto, c'était dans un château déjà, et c'était genre 350 euros la tête. Ah oui d'accord, c'est un chef de château. D'accord, ok. Ouais, pas dégueu. Mais le beurre. Mais il fait trop chaud, je dis donc. Regardez, regardez la preuve qu'il fait chaud, hein. Le beurre a fondu de ouf. Le beurre. Il est tout fondu. What the fuck, on l'a sorti 5 minutes. On a déjà mis du poivre et du sel sur la viande. J'ai mis avant la cuisson et tout. Sérieux? Ouais. T'as remis toi? Bah attends, mais tu l'as trouvé où le poivre et le sel? J'ai cherché. Putain, moi j'ai quelqu'un chez moi. Ah ouais. Je pense que là, la viande... Il y a le bouillon, il y a... Ouais, il a fondu. Vas-y go. On va mettre les champignons. Les petits champignons. Avec ton couteau top chef. Waouh. C'est comme ça qu'on fait Amaury. C'est mais comme ça. Ça va faire une énorme farita, c'était genre. Mais what the fuck les amis. What the fuck, what the fuck, quoi. What the fuck, what the fuck, what the hell. Oh un torton. Ah par moi il faut peut-être plus d'eau pour le... J'ai peur qu'on ait des croutons de... Tu veux que je rajoute un petit truc, un petit peu d'eau petit... Non, en fait j'ai peur qu'on ait des croutons du truc là. Les croutons du truc. Imagine t'as un crouton de bouillon. Un crouton de bouillon, c'est mec, ça doit être terrible. Ah. Un crouton de bouillon, ça doit être terrible. T'as un bouillon puissant 100 qui te tape dans la tête là. Par contre, du coup, il faut un jaune d'œuf. Un jaune. Pour l'extérieur. Ouais. Tu fais comme Zary. Ouais. Putain. Hop. Bon, ça va peut-être être moins sexy. Oui, bah, bah sachant qu'on en fait. On va peut-être en faire deux, comme ça nous ferait un peu. À la limite, un plat chacun, ouais. C'est pas mal. Même si on coupe là au milieu, après on regroupe. Ça va être dur à... Ouais, j'avoue, on fait un rond. Oh, vas-y, go, on fait un gros. On fait un gros. On fait un gros. On teste. Hop. Hey, Mustang. Il fait trop délirer, ton chien. Il est trop marrant. Il a l'air innocent, ouais. Il a trop loin. Tu sais que j'ai... On dire que mon chien est débile. Tu sais que j'avais vu Mini Black, ce week-end. Sérieux? Ouais. Mec, c'est Franck? Et du coup, il y a chien là-dedans. Ouais, il y a Franck. Il est trop drôle, quoi. Putain, mode, oh, putain, il y a Mustang à la télé. Après, il y a Croque Monsieur. Bon, ça va être easy à se faire, je pense. Hein. Voilà, bah, tout Croque Monsieur, tout le monde sait faire, quoi. Ouais, en fait, c'était vraiment le plan de secours. Après, toi, Croque Monsieur, c'est un truc pas mal. Quand les vieux, là, qui regardent, ils peuvent se le faire en même temps, quoi.
Ouais, j'avoue. Ceux-là, t'as besoin d'acheter du steak et tout. Le croque-monsieur, t'as souvent. Croque-monsieur, c'est généralement. T'as mis chez toi, t'as souvent du jambon chez toi. Là, on a plus du filet de dinde, je crois. Ouais, on a plus de la dinde. J'ai pas l'habitude de cuisiner de la dinde et du coup. J'avoue, je pense qu'on est sur le côté là, il a juste envie de bouffer en fait. Il est en bas, il nous attend. Les gens le voient. Ouais, ah, mais il veut passer un petit peu en bas. En fait, il veut nous faire des pièges pour comprendre. Ça se passe comment, le Mustang à l'alerte? Ça va ou bah, franchement, c'est trop marrant. Ouais. Parce que Alderiat, quand il a vu, il a fait ouais, je l'aimerais jamais. Il a tapé une barre, il s'est foutu de sa gueule. Il a dit, ah, non, on a bien écrasé. Et au fil de la dernière fois, je te jure, c'est vrai, je suis rentré. Et je vois quoi, Alderi était là, torse nu tout. Hein. Il était en slip, il était prêt à se coucher. Et il était là, il disait oh, alors comment ça va, Vincent, comment ça va? Il court dans tout l'appart. Je fais ça va, Alderi. Comme quoi, tu vois. Ouais. En même temps, il est trop mignon. Pour ceux qui ont pas vu le petit chien de. Ça fait combien de temps là que tu l'as? Deux semaines. Ça fait une semaine. Et je peux le promener aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y avait les vaccins. Ouais, il n'y avait pas encore ces vaccins et du coup je pouvais pas le promener. Je peux voir là demain. Trop chaud. Team Mustang. Ça m'étonne tellement pas d'être vu. Il va faire le bonhomme après derrière. Peut-être tu l'as pas pris sur le vide. Ouais. Mais à chaque fois il fait. Il me dit. Ouais, au final j'aime bien Mustang, c'est un brave et tout. Il fait c'est un brave. En même temps, c'est. Dès que t'as un petit chien comme ça, c'est trop cool. Mais putain, il. Il casse les couilles là. Ok, on commence à être pas mal. 12h50. On va dépasser un peu, de toute façon on va faire un petit peu en retard. Bah là, la viande est prête. Là, le four, il est chaud. Et attends, faut mettre ça sur un plat. Ouais, il faudra mettre un plat. Oh, il est tout petit. Mais oui, je sais, il a fait tellement chaud que. Ça va être terrible. Dessus, c'est sympa. C'est pas, ça va pas encore ça. C'est du papier sulfure. Ouais, je pense. Spécial. Je sais pas. Hein. Mais pareil, ça va être full collé, non? Ouais, j'avoue. Bah, je sais pas quoi. Je sais même pas si j'ai un plan. Oh, fuck! C'est vrai que ça, j'y allais pas. Au pire! Non, je sais pas. J'ai ça. Ah, ouais, ça c'est bon. Mais de toute façon, on va falloir. Mec, il faut prendre là, comme ça. Par contre, il fait tellement chaud qu'on a fondu dedans. Oh là 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 là, ça va être terrible à mourir. Mec, on va faire des boulettes de. Oh là là. Tu vois, fait. Mec, il fait tellement chaud que c'est pas bon pour la. Oh là 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 là. Ah, t'as mis la sauce tomate du coup? Ouais. Mais, rien comme ça, le tourner. Ça a l'air trop bon. Mais mec, regarde, il y a de la pâte qui a pas suffi. Je vais mettre là au cas où. Là, elle va y avoir méga fine la pâte. J'ai peur que quand on va mettre les trucs à l'intérieur. Ça va couler partout, ça. Ça va être terrible, mec. Je vais devoir. Je crois qu'il n'y a pas de jus en fait. On met dedans? Bah. Vas-y, je te laisse faire. Il faut essayer de mettre dedans, mais sans jus, tu vois. Sinon, ça va. En vrai, ça fait une tourte. Tu sais, ça fait penser au pie qu'il y avait en Angleterre. Ouais, ça c'est trop bon. Je pense que tu peux y aller. Hein. Je sais pas si on met tout. Ouais, faut quand même penser qu'il faut réussir à le fermer. Hein. Je pense que là c'est bon, hein. Vas-y, on teste. Essaye de le fermer. Je vais essayer. Oh mec. Oh non. Oh non, Amaury. Mec, elle est trop. Oh non. C'est terrible, Amaury. Non, mais c'est la pâte, elle est pourrie. Mec, t'inquiète, on a de la pâte en surplus. Et on colmate les trous. Oh la pâte. Mec, ça ressemble à rien. T'as de la pâte, sûr. On dirait une faritas. On va faire un taco en fait. Là il y a de la pâte en trop. Colmate les brèches. Tellement de chaleur, c'est n'importe quoi. Ouais, en fait c'est un giga tacos en fait qu'on a fait. Ouais, on a fait un giga tacos. Mais franchement c'est pas plus mal. T'as de l'œuf? Ou juste du jaune? Ah oui, du jaune d'œuf. Petit jaune d'œuf. Est-ce que j'ai un pinceau? Un petit burritos. Il me semble que j'avais un pinceau, il fut un temps, mais depuis le déménagement, j'ai peut-être perdu. Ah. Ou c'est peut-être les déménageurs qui m'ont volé, j'aime bien. Je sais pas ce qu'on a au four, mais. Ah ouais, nice. Mec, il est trop bien, ce pinceau. Allez, ça, c'est du food porn, ça. La technique de Faker. À la base, c'était des petites tourtes, hein, que tu voulais faire, non? Ouais, je voulais faire des petits chaussons. Des petits chaussons, hein. Genre, ça fait rien. Des petits chaussons avec sa viande et son champignon. Et là, c'est parti en mode gros taco. C'est toi, ça, Amaury, hein? Bah, on dit que c'est meilleur. En vrai, ça tombe, ça va avoir une super gueule. Faut juste que ça fuit pas, en fait.
J'ai peur que ça coule de partout et que ça passe à travers les trous, tu sais. Putain, je vais essayer, ça se... Ouais, c'est grand gros, il fait trop chaud, limite il en aurait fallu deux, ou un truc peut-être une plus résistante, je sais pas. Non mec, attends, j'en ai peut-être dans mon frigo, la... On va pas en mettre, ça part dessus. Vous savez, on fait comme les trucs américains, tu sais, ils font un truc à bouffer, ils en font un autre à côté, ils les superposent, ils les mettent dans un autre gros. Bon, vas-y, c'est bon. Go four. Go four. Combien de temps, les gars? Je suis pas rassuré, hein. Oh putain, le four va mettre de la lumière en dessous. Oh putain, il fait chaud de ouf là maintenant. Tu me fais quoi là? Mec, tu fais quoi? Non, mec! J'ai rien fait là, personne n'a rien vu. Oh merde, c'est dégueulasse de ouf. Attends, on va mettre de la lumière en dessous. De la lumière en dessous, encore? T'as de la lumière? Faut que j'appelle ma femme. Oh putain. Du coup, on va tout ça faire que tu crois derrière. Nice. Hop. Ah, t'as tout à partout. C'est parfait. Et on enfourne. Ça va combien de temps? Elle est à combien de degrés? 160. Dans le chat, dites-nous. 15-20 minutes. 15-20 minutes, combien de degrés? 4h58, non, ça 15 minutes et tu vois, ok d'accord. 15 minutes et tu vois, ok. Et on a combien de degrés? 160. Go mettre le papier de la tarte. Ouais, c'est ce que je pensais. Non, pas d'alu, non, pas d'alu. Bon, de toute façon, c'est en dessous, on s'en fout. Pourquoi pas d'alu, pas d'alu? On s'en fout, c'est en dessous du 180. Ils disent 180. 180 mec, est-ce qu'on peut faire confiance? Bah oui, 180, ouais, ça... 180, ça va. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah maintenant, il faut faire un petit croc. Mec, on fait un croc à la viande. Avec vas-y. La viande en croc. Go. On fait un taco. Taco. On fait un giga taco. Giga taco. Allez, vas-y. Vas-y, sors le pain. Gros flemmard, vas-y. Il a le pain devant lui, là, en mode. Allez, vas-y. 15-20 minutes à 180 degrés, ok. On est à combien? 160. Mec, on a des kings là sur le chat avec nous. 180 degrés. Merci les gars. Par contre, gros, le beurre. Ah bah, faut le tartiner. Parfait. On va pas galérer, hein. Je vais mettre ça là. Ouais, fais. Tiens, je te laisse préparer. Ça fait combien? On en fait deux? T'en veux plus? On en fait. Ouais, deux, trois. Il y a peut-être Maldé qui va rentrer. Ouais, en vrai, je suis sûr qu'il va vouloir manger un truc comme ça. Le petit Adrien Wills. Ok, c'est vraiment fou ton chat. Il quoi? Il fait quoi? Mec, t'as pété un plan de ouf. T'as pas essayé de montrer, mais... du coup, je mets beurre à l'intérieur et après tu vas mettre la viande. C'est qui ça? C'est qui joue? C'est qui le plus fort du petit chien? C'est qui le plus fort? C'est pendant la cuisson. L'aluminium, c'est quand ça gêne. Mais en fait, faut savoir que l'aluminium ne touche pas. L'aluminium est en dessous, donc ça va. Mec, le beurre c'est de la mayo, c'est genre. Mec, il a fait une pirouette le chien, mon gars. Le beurre c'est de la mayonnaise. Il est fondu. Ça, c'est la margarine. T'en mets sur tous? Et je mets la viande, hop, et on referme, c'est ça? Ouais. Ok. On en fait un normal ou on en fait un. On les fait tous à la viande? Ça arrive. Ah, ça y est, tu l'as excité là, mec. Tant qu'il fait pas tomber le matos, ça va. Ouais. Ok. Ok, check it out. Je pense qu'on va encore bien manger aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu te rappelles les premières cuisines impro? Ouais, là, c'est de la cuisine de gros, pas impro. Ah, là, c'est la cuisine de gros, ouais. Ah. Parce que même la semaine dernière, quand t'as fait avec Xavi et t'épouse, mec, pas. Vous avez fait masse truc quand même. Ouais, Xavi aussi, il a géré de ouf. Ces petits croissants là et tout, c'est pas mal. Tiens, il y a ça. J'ai d'ailleurs pas mal de photos d'ailleurs si vous voulez envoyer après derrière. Bon, là on a rien fait de ouf. Mais j'aime bien voir les photos des gens qui font les mêmes recettes après chez eux. Ah ouais, il y a des gens qui font les mêmes recettes. Il y en a pas mal que j'avais reçu. Bon, à part quand la date était passée, les gens ont pas trop fait pareil. T'imagines quelqu'un avait marré. Le truc que j'en reçois le plus, c'est les 3D. 3D fromage. Oui, j'en reçois masse. J'en reçois masse aussi parce que j'avais mis dans mon pack opening de bière. J'en reçois masse et c'est en mode bon, ben voilà, les gens kiffent. Pas besoin de temps, c'est une bonne découverte. Hein. 3 ça suffit, ouais. Hop. Pour petites oreilles là, ça va mettre au frais ça. Attends. C'est à l'extérieur. T'en fais 3 chacun. Un chacun. Attends, mais tu mets du beurre de deux côtés? Bon, je sais pas où. Non, mais t'inquiète. T'inquiète. Mais fais-en 3 chacun. Au pire, il y a le dé. Ça, du coup, c'est à l'intérieur. Ça, c'est le bas. Tu mets jambon, fromage et sur tous. Et après, tu mets du pain. What? Ok, on leur dit, mais on a eu trop peur. L'ordi s'est mis en veille. Qu'est-ce que tu fais là?
Tu peux pas. Et donc je mets la dinde. Et je vais peut-être lui donner à manger parce qu'il y a peut-être rien et tout ça. Je mets un peu de dinde en entier, non? Est-ce que je le coupe en mode trop classe et tout ou pas? Ou no care? Fais comme tu veux, Maurice. Ok. On va se déborder un petit peu. J'aurais pas ça de dinde en fait. Ah mais il y a le steak, je crois. Du coup on en fait 6. Mec, on va devoir en ramener au taf pour que les gens mangent. Les petites croquettes du petit chien. Voilà, croquettes de bébé. Et regardez-le là, il va manger. Il va sauter partout. Il va manger à 1000 à l'heure. Et il mange mais putain. Mais toi, petit loulou, hein. Il est que focus par ça. Là, plus rien n'existe. Genre là, il mange. Quel gros toc, quand même. Ok, il en a fait 3. Mec, en vrai, une cam comme ça avec une rallonge, c'est trop bien. Bah ouais, c'est cool. Est-ce que tu peux teaser ton prochain invité? Prochain invité? Bah déjà, je pars 2 semaines en vacances. Ouais. Et prochain invité, en fait, les gens le savent parce que ce prochain invité, on a déjà parlé en stream. Oui, ça bip. On a pas mis de temps, on a pas regardé le temps d'ailleurs. Mec, on a pas regardé l'heure. Les gars, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on a mis au four? Vous savez à peu près? J'avoue. Mec, on dirait du volume. En vrai, ça tombe, ça va être bon. Enfin, ça va sûrement être bon parce que. Il y a des bons ingrédients, mais ouais, du coup, des sages, ça va être dégueulasse quoi. Et ouais, du coup, le prochain. Je vais bien faire ta petite photo. Ouais, mais j'ai pas ramené le truc le plus important après. Alors... Mon prochain invité, il en a parlé en stream. Il en a parlé? Ah, Domi, les gens en tout cas. C'est Domingo. En gros. Tu vas le faire chez lui? Bah, en fait, j'avais pas encore le concept, on va dire, de les faire chez les gens, mais j'aimerais bien le faire chez lui. On l'a vu là dans la semaine, il est passé au bureau vite fait. Il était venu voir le chien de sa femme. Ouais. On en a parlé vite fait. Bah là, je pars 2 semaines en vacances, du coup, je vais faire un tour. Donc, ça serait sûrement vers le. Peut-être le 16, il m'a dit que c'était peut-être ok. Le 16 septembre. On va voir ça. Mais en gros, j'aimerais bien le faire chez lui. C'est toujours cool, je trouve, d'aller chez les gens. Ça sort après, le plus chiant, c'est le setup, tu vois, quand t'es chez lui. Ça sort un peu les studios de tout. Après, oui, mais c'est des streamers, tu vois. Ouais, j'avoue. Il y a un PC, je te ramène une carte d'acquis, là, comme là, une caméra, et voilà. Si là aujourd'hui c'est très bien. T'as déjà tout mangé? Ah mais c'est un morfait. Il a saucé mec hein. Il reste encore un peu. Je vais écouter. Du coup on se fera une petite session chez PA. Je sais pas trop encore, il m'a dit qu'il savait pas du tout cuisiner. Donc on verra. Allez, oh, putain de bonne. Ah ouais? Ouais. Attends, fais ça dans le dos du long. Voilà. Ah ouais. Ça va être ma réaction quand je vais manger, regardez. Il y a rien de. T'as mis la tomate aussi. Bah, par contre, attends, t'as la gueule de ça. Et encore. On dirait que c'est du hachis parmentier. Ouais. C'est chiant, ça fait masse profil. Enfin, j'essaie de. Bah, ouvre le four. Attends, mais si je fais comme ça, il y a plus de reflet, je pense. C'est ça, je suis con. Ouvre le four. En vrai, il va avoir la chaleur, je pense. Ouais, ça il se passe pas grand chose pour l'instant, ça commence un petit peu à gonfler mais sans plus. Hein. On va laisser hein. Je pense que ça devait faire 5 minutes. Mec, ça a pas trop de gueule hein. Oh putain, tu m'as sorti quoi là? J'ai pas vu ça. Ouais mec, c'est pour c'est la machine à panini ça. Ok. Panini nique ça. Ça c'est trop bien pour faire ça. Ouais, ça coûte une machine comme ça. Ça coûte 50 balles même pas. 50 balles. Et tu peux tout faire avec hein, vraiment. Tu vas me faire plus à choix. Le pire c'est que tous les panini que tu vas faire, ils vont tous être bons. Ouais, c'est bon. J'ai jamais fait un panini qui était pas bon. Bon là c'est plus descendu, je sais pas les panini pour le coup mais... Je vais juste mettre la caméra là. T'as mis les tocinettes dans ça? Mais non t'as pas mis. Non j'ai mis encore mec. Laisse-moi faire mon travail. Bon bah je vais commencer à faire cuire cela. Mais j'avais pas mis mec. Ah bah c'est bien, même dans cela. Ouais. Ça va être trop bon. Ça en fait c'est... C'est pas ouf comme plat. Et c'est genre tellement gras et tellement gros. C'est pas très cher, mais. Gras, ouais. Je sais pas. En fait, ça manque de légumes, tu vois. Putain, j'ai failli faire une connerie du siècle, mec. Ma bière, elle a failli tomber. Quoi, t'as bouteille de Schweppes? La bière sans alcool. Alors, ça donne quoi? Oh, regarde. Ok, bon, on va tester. C'est froid, en fait.
Par contre, il fait tellement chaud, mec, que le fromage est en chine. En plus, maintenant, il y a ça qui va chauffer, mec. Regarde comment ça chauffe, cette merde. Ok. Attends, en attendant, je vais passer sur le gros plan. Vas-y. Il faut des fromages. Putain, tu vas en ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5. Le beurre, ça y est, on en a plus besoin. Ouais, c'est bon, c'est le beurre. Est-ce qu'on fera le pain perdu au final? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on a assez à manger là. Ouais. On a assez à manger, puis niveau tanine, il est déjà 13h. Ouais. Parfait, comme ça, les collègues pourront reprendre. Pour reprendre derrière, ils vont faire une session Worms. Ils vont faire une Worms? Ouais, tu vois, il y a un nouveau Worms qui est sorti avant-hier. Du coup, ils vont se faire une session Worms à 4. J'aurais pas dit qu'ils devaient être dedans, mais je pense qu'ils sont grands, ils vont se débrouiller. C'est bien les champignons? J'adore ça. Même froid comme ça? Moi j'ai découvert froid, tu mets du sel, et tu manges comme ça. Ah ouais? Ouais. Une pote à moi qui m'a fait découvrir ça, j'étais en mode non. Et depuis, elle achète que des champignons tout le temps. Les bons petits champignons de Paris. Et la table, tiens, t'en penses quoi toi la table? La table à 9 000 euros, que Julo et tout. Mec, c'est insane, mais du coup, c'est sûr qu'elle part à 9 000 euros. Je sais pas. En fait, depuis ce matin, on en parle un petit peu. Et en fait, on est en mode. Pour l'instant, c'est à 9 000. Mais le mec peut annuler à tout moment en fait. Enfin, je sais pas comment ça marche sur eBay. Vraiment, toi, c'est toi qui as vraiment acheté sur eBay. Moi, j'ai jamais. Putain. J'ai jamais rétracté. Hein. Si, j'ai rétracté une fois. Après l'achat? Après l'achat. Un petit peu, donc. En fait, il m'a envoyé full mail et tout. Et en fait, en gros, tu sais, quand tu mets 9 000, t'as pas payé tout de suite. Ouais, bien sûr, mais sinon c'est. Et en gros, bah, ils m'ont envoyé des mails, et en fait, je me suis fait bannir mon compte. Comme ça, t'as envoyé des mails. Genre en mode, vous avez ça acheté, vous avez remporté ça, nanana. Ah, c'est dans ta gagné ton enchère, y'a pas derrière, tu dois payer. Ah ouais, non, c'est mort de chez moi. Mais après, ils ont ton adresse et tout. Fromage, c'est les gens qui demandent le fromage. Vous savez, c'est du fromage. Je crois qu'on t'appelle ça, toi, t'as dit tout à l'heure. Les tostinettes. Tostinettes, ouais. C'est le fromage spécial que tu mets dans des burgers. Ouais. Et c'est la moza, du coup. Tu les as, du coup? Je sais plus. Du chat. Ouais, eBay, la table, je sais pas si ça se vendra. Bon, on verra de toute façon tout à l'heure. À 17h, en tout cas. Après, en vrai, je pense que. C'est fini. L'enchère finit à 17h. Je pense honnêtement qu'elle peut partir à 1000 balles. C'est ce que je disais ce matin. Moi, j'avais estimé 1000 euros. Je pense qu'il y a un mec. Et 1000 euros, c'est ouf, hein, déjà. 1000 euros, c'est. Parce que les gens. Enfin, tu sais, on a déjà eu des dons de 1000 euros, du coup. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin dans la matinale. Tu vois, en mode, on a déjà eu des dons. Oui, on a déjà eu des dons de 1000 euros, du coup, là, en plus d'avoir une table. Donc, quand même, tu vois, ce que je voulais, c'est que si. À la base, on le jeu, c'est pour le fun. C'était en mode. Oh, go, la baisse sur eBay, c'est marrant. Et bon, ça a augmenté de ouf. Donc, en gros, je pense que c'est un don de 1000 euros. Enfin, c'est un don, c'est un achat de 1000 euros. Je pense qu'on amènera carrément la. J'aimerais bien faire un projet comme ça. La table chez mec, et faire que Gibbs fasse un stream avec lui, chez lui. En vrai, ça peut être bien. Enfin, un petit event, tu vois, un truc marrant. En gros, on soit pas en mode 1000 euros et puis ça, l'argent dans la poche. Bon, après, c'est 9000 euros, c'est genre. C'est 9000 euros, oui. C'est un stream qu'on fait avec. Ouais, c'est. Je sais pas. On trouvera un truc, là. C'est tout? Une sortie, ouais, c'est bon. Pas de ketchup, mayo, samouraï. Que... Ça, c'est après en général. Je sais pas. Ça, c'est pas très bon, genre. Ouais, la ok. Sauce, je vais d'abord faire cuire celui-là. Vas-y, vas-y. Mettre la caméra et on va voir. Dans ta super machine de ouf. Mec, super machine de ouf. Mec, ça a l'air trop bien, hein. Tu sais, moi j'en avais acheté un à Ashford, mais tout petit. C'est tellement de la merde. Et ça, si vous voulez faire un cadeau à votre famille, c'est trop bien. Bah c'est cool, un cadeau qu'on m'a offert et franchement c'est trop bien. C'est cool ça, ça marche aussi en. Ça, tu peux faire cuire. J'avais vu des mecs qui ont cuire la bah merde, dessus on peut faire cuire des brochettes, des poulets. J'ai même envie de se lancer des poulets. Même ça des fait, légumes, ça... des saucisses, ouais, des sandwichs, des toasts. C'est plan de chat en fait. Ouais, ça fait plein de choses de plan de chat. Et du coup, tu mets ça sur ta table et tu fais cuire ta viande en mode tranquille. Faut du fromage, il faut de l'élémental. Toi, ça je l'avais dit. Ouais, bah ouais. Allez, attends. J'ai dit que l'élémental il y a pas du fromage là comme ça. Mais bon. Chacun ses goûts, ça change pas grand chose. J'ai de l'élémental mais il a plus longtemps. Oui, non. Par contre j'ai la sauce tartare. Ah non, je l'aime pas. Je suis pas très fan. Mec, c'est putain, on a tellement un repas de gourou. Qu'est-ce que ça donne ce petit truc là? T'as la canne dans le coin? Regarde. Hop. Oh putain, il fait chaud. Ouais, mec, il chaleur, je sais pas. Attends, hop, on va placer sur. Ça commence à avoir un peu de gueule mais. Par contre ça sent bon. Hein. Ouais. Bon, franchement, ça a l'air bon, mais ça a l'air. Je sais pas. J'ai peur. Moi, je pense qu'on a limite réussi à le retourner, que c'est plus de l'autre côté aussi, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas vraiment une tarte. Ah, c'était pour ça qu'ils ont pas dit d'alu, parce qu'en fait, en gros, la chaleur passe plus dans les trous. Ah. Non, ils parlaient d'alu pour le cancer. Et l'alu, c'est quand ça régène et tout, il y a plein de trucs comme ouais, ça. Mec, même là, ça touche même pas la viande et tout. Frère, si on peut recommencer à faire attention à ça, on a le cancer, ouais, dès qu'on fait un truc, quoi. Bah, déjà, je fume, donc bon, je suis dans la merde.
Il te reste un petit peu de fromage du coup. On va se ranger ça. Bon. Ça sent la bière. La bière. Je vais faire la beer butter. C'est le moment de la beer butter à Maury. On se met là. Tiens, prends la bière qui est. Une bière qui est dans le pack, non? Ouais, ça non, celle-là elle est pas fraîche, là, celle-là est pas fraîche. Prends une qui est dans le pack direct. Le but c'est pas de boire de l'alcool, hein. Le but c'est de tester la bière de. Bah, c'est la bière d'Harry Potter quoi. Bière Harry Potter quoi. Vas-y. Est-ce que tu aurais un truc qui. Et un couteau. Voilà, un bruit. Je dose comment? Barman. Tu doses juste. Presque. T'inquiète, je suis là. Encore. Vas-y, stop. Maintenant, faut touiller. Ok. Tu le fasses ? Désolé, moi aussi, bien avant. Ça va, c'est pas grave. Donc, du coup, c'est du beurre. Je pensais pas que tu touillais justement que ça faisait des zones, tu vois. Non, normalement, faut touiller au début. Mais je pense que ça passe à touiller alors. Au fond, il y avait des bouts de beurre. Mais mec ! On n'a même pas mis de beurre. C'est pas mis de beurre. Bah, j'ai peur. J'ai pas mis de beurre. C'est pas mis de beurre. T'en as pas mis quand t'as fait comme le. Non, j'ai pas mis de beurre. Ah, t'as juste mis du sucre et tu as fait quoi? Ouais, j'ai fait du sucre avec de la crème. Ah, c'est pour ça que ça fait du caramel alors. Après, le beurre, du coup, au final, beurre, ça rajoute pas trop. Ouais, du coup, ça va être méga sucré. Ok. Je pense que le beurre, ça fait la consistance. Et là, tu peux mettre une dernière touche de bière. Tu finis avec la chantilly. Hop. Et là tu finis à gentil, ouais. Tu manges direct ça? Ouais, je pense que c'est mangé direct. Fais-le dans le lavabo au pire. Ou sur la poubelle. Oh putain, sa mère. Vas-y, je fais. C'est bien ça, Maury. Ça, c'est bien ça. Fais-en pas trop parce que sinon on va galérer, non? Ouais, pas que. Regarde, regarde, t'es trop grand là. Waouh! Eh, ça c'est de la bonne beer butter ça! Là c'est pas mal. En vrai elle est pas. En vrai ça a l'air pas mal. Hein. Bah, moi je vais goûter. Hein. Bah, moi je vais goûter le dessus. En tant que dessert tu vois. Bon, t'as pas mis de beurre donc au final ça va être une bière sucrée. En fait. C'est une bière au sucre. Ok. Bon, ça donne. Hein. Oh! Pas mal ça. Putain, c'est fait chaud. Au final on a tout à attendre à faire cuire. Dans les timings, on est bon. Hein. Dans les timings, on est bien. On a fait. On a pris à quelle heure? On a pris à 20, je crois, le live. Toi, tu fais gaffe, hein. On a pris à 20 le live. Il manque juste le temps perdu. Bon, au final. Ouais, c'est pas très grave. Un perdu, c'était en tant que dessert. Au final. Ça a du temps de faire quand même, en fait, non? C'est parce que c'est le premier. Après, ah. Ça va vite. Tiens, je peux mettre ça dans le frigo. On va commencer à ranger, quoi. Ouais, bah, je vois ça. Moi, normalement, la dernière fois, je suis venu chez Dego, je suis reparti en mode ouais, bah, salut. Sérieux? Non, sérieux? Non, là, il habite pas à manger. Ah, et oui. Il a rangé. En fait, on devait courir, celui, il habite pas à côté du bois. Et on avait une émission après. Ouais, t'es vrai. Avec Xavier et Gilles. Du coup, Ah, c'est Xavier qui a enchaîné sur une émission juste après? Ouais. Non, mais il a pas enchaîné sur l'émission direct après, mais c'était une heure après, tu vois. Oh. Il fallait qu'on arrive. Ça, c'est cool quand on. Je pense que mec pour le faire des paniers sur même, ça. Hop, on va sortir une assiette. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va faire le dressage là. Ouais. Par contre, la bière est en train de die. Voilà, la chantilly est en train de crever en fait. Il fait tellement chaud que. Moi, j'ai oublié le petit panneau, fait chier. T'as oublié quoi? J'ai oublié le petit panneau. Ouais, tu dis un pro. Le petit panneau plus d'impro, quoi, et à chaque fois on fait une petite photo à la fin, mais j'oublie le petit panneau. Bon, on le rajoutera sur Photoshop. Donc tu mets les autres à cuire? Ouais. De toute façon, en vrai, je vais ramener ça au bureau, au pire, tu vois. De toute façon, en vrai, on va tout manger. On va le dire. On va dire un gros. Tiens, gros. Tiens, mets ça dans le frigo. Ouais. Champignons, tu veux. Et au pire, mets la bière au frigo pour pas qu'elle. Ouais, mais. Okay. Non, mais on va la faire là, on va. Ouais, mais le temps de sortir tout et tout, tu sais, genre. Oh mec, tu vas être étonné. T'as juste goûté la chantilly. Tu l'as pris en bouche chantilly. Tu vas être étonné. Waouh. Waouh. Ça.
Hop là. Mec, je vais faire. Ah ben non. Je vais faire un panini, tu sais, mettre de l'œuf. Allez, vas-y, je vais faire ça. Ah ouais, mais fais attention. Ah ouais, c'est bon, un peu. On s'en est où là? Ah, ça commence à bien nourrir. Mec, ça a l'air trop bon. Bah, mec, en même temps, ce qu'il y a dedans, c'est. C'est de la bonne bouffe, quoi. Bon, ça fait vraiment du cataco. Du coup, tu mets ouais, de l'œuf à l'intérieur. T'en peux mettre même un œuf, enfin, tout le monde en a plein. Tant pis. Voilà, on met les fins. On ne gâche pas. Ouais, c'est pour pas gâcher en vrai. J'aime pas gâcher la nourriture, c'est tellement bon. Four, 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 allô le four, allô le four, rip le four, rip le four. Ils ont eu chaud. Non, ça c'était 15 minutes en vrai, tu vois. Ah, on a regardé justement, on vient d'en regarder à l'instant. Bon, après, c'est quand même assez costaud. Et... Après, la viande est déjà cuite, du coup, comment ça va se passer? Vite, enlève, prends, vite, enlève. Vas-y, bon, enlève, enlève. Ça va, non? Non, je pense que c'est bon, t'inquiète. Ok. Bon, fais confiance. Bon, en fait, ça cuit encore, en fait, là. Wouah, putain, la chaleur. Bon, la viande, elle est bien cramée, ouais. Dans ce... C'est pas encore cuit le four, on est d'accord? Ah, vous faites peur là! J'ai peur que ce soit de la pâte, tu sais, que ce soit tout mou en fait. Je vais laisser encore un peu. Non, mais ferme-le! Ouais, je laisse fermer. Il va continuer à cuire. Yes, yes. Ok, donc toi tu vas t'as les petits trucs. On va commencer à faire de la place pour le dressage! Ouais. Ça va aller à la poubelle. C'est la poubelle. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est avoir son... Putain, c'est chier, ça devient cool. On va un Mustang dans la photo. Ouais. Il soit assis à côté en mode... Yeah. Il est pas encore pressé pour... Ah ouais calme comme ça à côté de nous. Assis Mustang Assis 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 pas du tout, il comprend rien du tout. Mustang Assis Allez, assis Loulou. Ah, mon petit loulou. Et qui est tout petit, là. Ok, on attend toute la question. Tu vois qu'il va beaucoup grandir? Ouais, il va grandir, il va faire deux fois sa taille. Je pense, non, un peu moins. 1,5, 1,5. Ils sont pas les couilles. C'est trop mignon! Bon, j'avoue qu'on a fait des. On a quand même fait les croque monsieur, mec. En mode. C'est dur. Ah, on a fait les croque monsieur, quoi. Waouh! Combien de temps de cuisson? Attention, attention, au cas où que ça crame et tout. Faut bien respecter. C'est trop cool ce machin. Ouais. C'est du coup, c'est encore plus simple de faire la promotion, quoi. Je veux dire, genre, quand on m'a offert ça à Noël, c'était pour moi et mec, c'est la famille de mec qui nous a offert ça, sa soeur. J'étais en mode, oh, trop bien. Je voyais déjà tous les panini. J'ai mangé panini pendant un mois. Un mois? Mec, un mois d'affilée. Hein. Par contre, bon, après, on va laver la table. Ouais, ouais. Attends, vas-y, vas-y, lave. Allez, me semble. Allez, mange. Non, mais tu dis ça, il va vraiment tout manger. Mais c'est dans le lavabo, c'est bien. C'est ça? Petit loulou, oh petit loulou, le petit cucu qui est pas encore allé à la ruru. Mec, ça rend trop gaga. C'est vrai que du coup, il est pas sorti. Non. Normalement, on peut le sortir aujourd'hui, mais j'ai pas encore de laisse. On m'en dit dans le chat, go mettre le chien dans le four. Mais non. Ça a une belle gueule, non? J'aurais bien attendu un peu. C'est plus bien plus. Doré. Tu sais que ça dort encore plus. Tu sais que ça croustille, ça fait ouais. De là, je pense que c'est pas encore assez. Par contre, Loulou, t'as pas fait caca encore. Hein. Et... Il est PC combien? D'ailleurs, en parlant de PC combien, enfin, la... c'est quoi là? Il y a quoi? Il y a 2 heures, je crois. Il y a 2 heures de Worms, juste après notre live. Avec notre et après, il y a Pokémon Go. Et après, il y a Pokémon Go avec. Normalement, c'est Ali Zulu. Et Zulu va montrer justement tous ses Pokémon via le nouveau système de PC. Et maintenant, t'as ton dresseur, enfin ton chef. Tu me joins bien sûr. Qui te montre, qui te dit genre oh il a beaucoup de force ton Pokémon. Oh ouais, j'ai vu. Je sens en forme en ce moment. J'ai vu enfin, plein de gens qui ont rename leur pénis, Pokémon. Pénis, phallus, vagin. Ton vagin est un peu étroit. Attends, non, mais dis pas tes Pokémon étaient. Ton Pokémon est étroit. Pas du tout. Ça veut rien dire. Pas du tout. Bon, vas-y, j'ai faim là, Val. Valcouille. Oui. J'ai faim. Bah moi aussi j'ai faim. Ah moi je suis en mode... Mon gars, je veux une belle table, présentable. Une belle table, on n'a pas le panneau putain. On s'en fout du panneau, on rajoute. La cam doit pas trop piffer la chaleur, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Parce que la cam est proche du truc. À l'aide, à l'aide. Quoi à l'aide? Attends, elle retourne.
Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Non, je sais pas. J'ai touché le chien, après j'ai pris les crocs monsieur, ouais, mais c'est des crocs monsieur d'Amaury. Moi, de toute façon, c'est ses anticorps, ça. C'est ses anticorps. Moi, je me suis lavé les mains. J'ai envie de sortir. T'as une assiette? Ouais, c'est derrière toi. Waouh! Oh merde, t'as une assiette de dresseur en plus. Une assiette de dresseur? Ça, c'est pas son cool, tu vois. Une assiette de dresseur. Pour le dressage. T'as un truc, c'est pour moi, je comprends pas que ça. Mec, on aurait dû juste acheter du persil pour mettre au-dessus. Le persil, ça passe toujours. C'est tellement cheat. C'était vraiment croque monsieur basique, yo! Genre cuisine impro, ouais, top chef et tout. Ouais, top chef, croque monsieur, ouais. Le croque monsieur, tu le manges? Mmh. T'as un plat pour. Je le pose? T'as un petit plat, un truc. Voilà. Non, pour la photo, c'est cool ça. Ça rappelle le bois de la. De la table, comme ça. Tu vois? Ouais. Je pensais que ça allait bien. Là, tu m'as un croque. La table. Attends, parce que je vais faire ça. Un gant, un truc. Je pense pas que c'est plus. Bon, je suis le temps. Ah, peut-être la viande qui a coulé. Oh putain, c'est pas coulé, mec. Oh merde. Bah là, c'est bien cuit, là, non? Je pense que la pâte est pas assez cuite. Oh, si, ça va le faire. Attends, je pense que la viande. Bon, ça fait vraiment giga tacos, quoi. Là, il aurait fait juste un peu de salade avec, ça aurait été parfait. T'as une target, une target, une target. T'as pas une target là, vite fait? Une target là. Une target, ça? Ouais. C'est pas vraiment une target, mais. C'est juste pour aller en dessous en fait. Tu me dis la target? Ça? Ouais, ouais, ouais. La spatule de gobelet pour. Prends à côté. Voilà. Je vais prendre là, moi. Wouah, du bon. Mec, on dirait du hachis parmentier. On dirait du hachis parmentier, ouais, j'avoue. Tu peux me retirer ça? Ça fait trop cher. Ça a l'air trop bon, ça. Chez nous, les suies. J'étais bouteillé là, à l'instant de seconde. Waouh! Boum! Ok. On a bien fait de mettre le... Bon, c'était censé. Un repas de type équilibré, j'avoue que. Attends, ça on peut peut-être faire un truc en mode. Mais non, mais. C'est vrai que c'est tellement fat ce qu'on a bouffé. Mais là, tu mets ta petite bière là. Mec, on est chez moi, hein. C'est pas mal là. Attends, c'est pas mal. Ce plateau repas. Oh merde! Il y a encore mieux en fait. Ah ouais, merde. Bon, c'est pas grave, c'est bon pour la photo. Ça doit être Mustang là ou ça va être short de ouf? Ça va être chaud de ouf. Mec, ça va faire dégueulasse. Hein. Ouais, c'est pas grave. Pire, on le met comme ça. Attends. Ah non, attends, mec. On va faire une photo, photo méga kitsch. Genre en mode. Tu vois? Tu mets ta tête là. Non, la tête de Mustang du coup. Vas-y, mets Mustang. Fais gaffe, ça touche pas trop la bouffe. Ah, attends. Ça fait trop bizarre, regarde comment je le prends sur la caméra. Et la chaîne Twitch est bannie. Faut que tu l'appelles, faut que tu fasses Mustang. 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 Ça fait tellement genre. Ouais, non, en fait, je le pense, genre, il s'en bat les couilles. Ça fait tellement genre, on le force. Ouais, j'avoue. Mec, ça a fait un truc trop chelou, du coup, j'ai honte. Il y aura des hot shots. Voilà, je pense que t'as fait un petit mouvement du bassin qui fait que. Mais bon, je suis pas non plus notre. Bon! Ça fait un petit contraste avec la. On va montrer vite fait la photo aux gens. Pas là-bas. Ouais. Bon, vous avez vu le vrai, mais on va être mis en photo en fait. Pas mal! Ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, après, mec, tu commandes un truc à. Attends, mise au point. J'ai envie de goûter la bière. Vas-y, goûte. Goûtons, et après on va laisser le live pour, bon, pour les gens. Comme c'est un truc Harry Potter. Attends, je vais mettre ma tête. On explique le sujet, le truc, tout ce que c'est. Je vais mettre ma tête comme ça, les gars.
Oh putain, j'ai la tête toute mouillée. On va me tromper là. Faut que je bois avec la mousse pour que ça me fasse une moustache de... J'avoue que c'est la bière au beurre sans le beurre. Mec. C'est bon? Mec. Vas-y, faut la place. Attends, hein, à ton tour. Ah mec, j'ai chaud, vraiment qu'on est trempé, tu sais, genre. On en a sué, hein. Franchement, ça va, tu vois. Et elle ressemble fort à celle que j'ai goûtée. Hein. C'est tellement sucré. Mais ça va. Oh putain, partout. Ah, c'est bon. Voilà. La bonne bière. Bon. Et ensuite, moi j'ai envie de goûter ça aussi. Ouais, hein. Vas-y, goûtons. Couteau, c'est là. Voilà, tu connais déjà tout. Allez, tiens. C'est bien un couteau, toi, quoi. Mec, est-ce qu'un couteau, c'est vraiment nécessaire? Ok. My big taco. Je vais mettre dans le champ. C'est là, non? Non, c'est là. Ah, tu vas être en full cam, toi, tu vas aller à ta. Ah oui, bah oui, on va pas voir ça. Vas-y, mets en full. Ouah! Gros plan. Alors, on va goûter. Attends-moi. Pas tout le monde. Ah non! Full viande. C'est un peu sec. C'est, ça défonce, mais. Non, ça défonce, c'est bon. C'est méga bon, hein. Ça manque juste de légèreté. Ouais, tu vois que c'est pas. On a un petit problème, Houston! Oh merde! Répète, on a un petit problème. Oh merde. Holy shit. Attends, mais comment ça peut couler autant? Je sais pas, toi t'as mis un fond d'œuf. Vous savez bien, j'ai tombé un bruit bizarre. Mec, on avait carrément zappé. Ça, on dirait des lasagnes en fait. Ouais, c'est vrai, ça goûte de lasagne. Il manquerait juste un peu de tomate, c'est la dalle. Bah à la limite, peut-être rajouter de la sauce tomate avec, ou je sais pas. Ouais. Et on goûte un truc? Histoire de tout goûter, et après comme ça on lâche le live. Vas-y. Tu goûtes la viande ou... Non, vous pouvez. Enfin, dinde. Vas-y, poulet aussi. Regarde, on a encore le cours de bite. Ah non, c'est à blanc en fait, quand même. T'as encore plus de feu, quoi. Oh putain, c'est trop bon, la viande. Oh, c'est trop bon. Oh, 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 oh. Wow. C'est bon. Ah, les viandes sont putain de mauvais. Voilà. Bah, big crack. Franchement, c'est bien parce qu'on a fait quand même fou. Bah, non, ok. Tout a un bon goût. Full viande. J'aime full viande, ouais. Mais pas mal la bière, au beurre sans beurre. De Harry Potter. Bon, du coup, on va couper le live. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Valouz, de m'avoir invité chez toi. Il n'y a pas de sous ça, il y a un merci surtout aux viewers. C'est grâce à vous au final qu'on fait ça, puisque vous aimez. Ah oui, c'est ça. Et merci à comme d'habitude, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, les pouces, tout ça, hein, c'est important. Ça, ça c'était YouTube, et... maintenant t'as le réflexe de faire les pouces. Les pouces en l'air. Et sinon, pour le live, bon, il y aura une bonne après-midi. Worms, LPE, il y a Pokémon Gogo, il y a une session Rush, avec la guide sur les ombres. Et sinon, pour la cuisine impro, bah, il va y avoir 2 semaines de pause, je pense. Ouais, parce que tu pars en vacances. En gros, je pars 2 semaines et au retour, j'espère, il faut que je revoie avec le maître, avec le Domingo. J'aimerais bien faire la première, ça serait genre la saison 2, avec PA. Et après, on verra pour d'autres invités. Peut-être que je demande à Zerator, mais j'aimerais bien aller faire un petit trip à Montpellier pour prendre le live de la fin, on fait des soucis. Par contre, si ça marche pas, t'es déçu, quoi. Ouais, par contre, il fait méga chaud. Là, il fait méga chaud. Là, il fait méga chaud. On va vous laisser avec toute l'équipe d'Equipe 16, qui vont faire un petit Worms ensemble. Et ben voilà, bon après-midi. Nous, on va manger comme des gros tas. Ouais, on voilà. Je vais me rincer avec elle sous l'eau aussi. Ouais, pareil, une bonne douche. Je vais me laver les mains avant de manger. Oui. Allez, bon après-midi. Tchuss et merci les potes. Et à la prochaine. Team Mustang. Ils veulent l'emote Mustang apparemment.